Yo les gars, c'est une autre. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans ce concept dans laquelle notre objectif, ça va être de random un fruit. Et le fruit qu'on va random, on va devoir l'utiliser pour pouvoir faire du PVP. Les abonnés m'ont demandé pourquoi je n'utilise pas les autres fruits à part le Rumble. Du coup, vu que je sais pas quel fruit utiliser, je me suis dit, je vais random un fruit et celui que je vais random, ben, on va l'utiliser pour PVP. Si c'est un fruit nul, ben, on va être nul. Je pense que dans tous les cas, je vais garder les trucs que j'ai. Sauf le fruit. Vas-y, let's go. Du coup, ici, on va pouvoir random un fruit génial. On va utiliser un petit code. Pour la chance. Si j'ai de la chance, normalement, avec ce code, je vais avoir beaucoup trop de chance. Allez, let's go. On va random. Et on random. Oh damn. En fait, c'est un code pour pas avoir de la chance, en fait. Ne jamais utiliser ce code parce que vous allez pas avoir de la chance. Le fruit de la fumée, c'est un fruit qui est éclaté. Je pense même pas que je l'ai en perme, normalement. Si je regarde parmi mes fruits perme, ah si, je l'ai en perme. Donc du coup, en fait, ça va m'éviter de le manger si je ne l'ai pas trois fois. On va d'abord essayer de le store, au cas où. Ah ben, je l'ai déjà trois fois, donc malheureusement, je peux pas le store. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir le manger directement. Miam, 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 miam. Ah ben maintenant, il a été équipé. Donc ce qu'on a à faire, c'est de regarder les stats. 52. Tous les fruits que je vais random, je vais les mettre ma story 600. Avant toute chose, on va d'abord aller au deuxième monde pour récupérer la Rastiborg. Comme ça, on va pouvoir farm rapidement, comme d'habitude. Il faut bien rentabiliser certaines choses. Si on a une Rastiborg, ce n'est pas pour la décorer. Enfin, comme ça, au moins, ça pourra m'éviter de passer beaucoup trop de temps. Au lieu de passer 3 heures sur du farming, je vais passer que 1 heure. Allez, on est au deuxième monde. Ça va être très horrible d'aller jusqu'à là-bas en volant. On va y aller quand même en volant. Voilà, on n'a pas le choix. Let's go, on va y aller en volant. Le chemin va être très long, mais ça n'a pas le choix. Waouh, on a mis tout ce temps finalement pour arriver ici. Mais je crois que je suis quand même arrivé à destination. Donc on va descendre ici pour pouvoir rentrer ici. 2500 frags encore perdus. Faut croire que ces temps-ci on va perdre des fragments tous les jours. Allez, j'ai oublié de changer le skin. T'es moche! Je vais garder ce skin. Certes, il est moche, mais je pense que ça fait quand même bien la fierté de Thunos. Ouais, mais c'est pas toi qui décides. Maintenant, on va enfin pouvoir farm tranquillement. Mais par contre, je vais sortir les lunettes parce que ça gâche un peu le skin. T'es moche! Il faut absolument que je laisse sortir les lunettes. Enfin arrivé dans notre île dans laquelle on va pouvoir farm. À présent, on va pouvoir farm tranquillement ici. Étant donné qu'on a tous les mobs à disposition, on va commencer directement par prendre les quêtes. C'est l'une des choses les plus essentielles. En plus, grâce à ça, ça permet quand même d'augmenter notre argent. Ouais. Ouais, ça me permet d'en faire beaucoup de thunes. Alors que je fais que farm en même temps que j'augmente l'argent. Dès que je finirai de farm, étant donné que je vais devoir PVP avec le fruit de smoke qui est un peu dégueulasse, on va passer en freezer. Au moins comme ça on changera aussi tout ce qui est en bas ici. Peut-être bien. Eh, je fais 0 dégâts. J'ai fait beaucoup de dégâts avec ça. Et j'ai fait beaucoup de dégâts avec ça. Par contre, je pense que je vais juste changer un petit truc. C'est notre gun. Le gun, je l'aime pas trop parce que aïe. Les mobs ils font trop mal. Voilà. Faudra juste que d'abord que j'arrive à activer ma V4 et on va essayer de ne pas mourir comme la dernière fois. Je vais pas faire le même coup deux fois. Voilà, maintenant on va pouvoir activer notre fameuse V4. Welcome to reality. Aïe. Oups, je les ai tués avec le fruit. Ah non, je les ai tous tués avec la sword, j'ai trop la mort. Ah non, il faut que je sois vraiment proche de moi en fait pour utiliser cette attaque là. Wesh. Par contre, le gun il est parfait. Pour farm, j'aurais pas dit mieux. Boum. Oh, en deux attaques, il meurt tout switch. Mastery 550. À présent qu'on est arrivé à Mastery 550, je pense qu'il ne reste plus que 50 Mastery pour farm. Donc, on va essayer encore de farm ces fameuses 50 Mastery en mode speed up.
599, plus qu'une seule mastery et c'est tout bon. Galère. Des mastery 600. Donc à présent qu'on a 600 de mastery, on peut enfin profiter pour aller PVP. Mais avant d'aller PVP, on va d'abord se faire un stuff qui va être raisonnable. Je ne sais pas utiliser la race cyborg, donc je vais d'abord commencer par changer ça. Let's go. Damn, je suis tellement dégoûté, je n'ai pas reçu ma race. Non, on va changer cette race. Non. Wesh. J'ai la race humain. Il n'y a pas plus pire pour moi que la race humain. Nouveau race. Il nous faut une autre race. La race Angel. Wesh, c'est une blague en fait. C'est une blague. Allez, il nous faut absolument notre race Angel. Wesh. Wesh. Il se passe quoi là? J'ai perdu beaucoup de fragments. Non mais c'est n'importe quoi. Je comprends vraiment pas pourquoi. Hein. Non. C'est une blague. Enfin, bon, maintenant qu'on a eu la race Angel, plus que à changer les stats, et ça sera bon. Allez, on va perdre nos fameux 2500 fragments pour avoir des stats. Sur le fruit, on va mettre sur la mêlée et la défense. Je pense que ça va être très compliqué. Il y a une sword que je n'ai jamais testée. On va tester cette sword. Je pense que j'utilise l'une des stuffs les plus aléatoires que j'ai jamais vues. Sharkman, Smoke, Kabusha et Dark Dagger. J'espère vraiment que je vais m'en sortir, parce que si je m'en sors pas, je vais perdre mes bounties. Dans tous les cas, ça me sert à rien de PVP en pirate. Donc du coup, je pense que j'irai marine. Ça me permettra aussi d'augmenter mes bounties marines. Alors, on est arrivé dans notre premier serveur. C'est une blague en fait. Oh, il s'est pris cher, il s'est pris très cher. Arrête de... Je sais même pas utiliser tout ce que je fais. Hein. Yeah. Emotional damage. Je meurs dans l'eau. En vrai. Ouh, thank you so much for your bounty. Il faut juste que j'ai mes marines, moi. Je vais juste aller marine. Voilà. J'ai que 10 millions, 4 en plus. Ouh. Oh, damn. Il est die. Oh, mon Dieu. Par contre, ce fruit, il est super chaud à utiliser. Il est super chaud. En plus, avec tout ce que j'utilise, je connais même pas, je sais même pas utiliser Smoke. Je sais pas utiliser Dark Dagger. Mais ça va. Franchement, je me suis débrouillé pas mal. Non! Le hacker, il m'a kill! Hackerman, he's the most powerful hacker of all time. Oh, j'ai la mort, j'ai trop la mort. Il y a un hacker qui m'a tué. Non, j'ai trop la mort. Attends, il est où le gars? Wesh, il y a un hacker! Non, il y a un hacker! Attends, mais j'arrive pas à le voir. Ça me saoule. Wesh, il se déplace trop rapide. Ouais, attends, j'arrive pas à voir son nom. Ouais, c'est lui là, le gars là qui s'appelle. En plus, il y a une pépette meuf. Women. Ah bah le hacker il a... Wesh. Wesh. Oh la dinguerie, le hacker. Oh la dinguerie, le hacker. Il essaye tout pour me tuer, wesh. Vie fort. Welcome to reality. A few minutes later. Ah non, franchement je vais le reporter hein, pour hack. Reporter. Alors on va. Quelqu'un m'a TP ici, wesh. Franchement ce que j'utilise c'est super chaud. Donc on va changer quelques petits détails sur le truc que j'utilise. On va changer la sword. Je vais prendre le spiky trident. Hey kid, don't
Oh mon dieu. Et on va le rapprocher de nous. Wesh. Il lag tellement ce gars, à tel point que... Damn. Allez. Je l'ai chopé. Enfin, le moment. Le moment fatidique est venu. Aïe. J'ai pas réussi mon combo. Non. J'ai mouru. On voit rien. Répédra. Ah. Easy. Boum, boum, boum. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? Oh shit! You think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop. Oh, you gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? Oh, il est mort par le smoke. Oh mon dieu. Wesh, mais comment on fait pour lâcher son attaque de mort? Non. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Je suis descendu à 10,3. C'est bon. Aïe. Non. Now I'm really mad. Oh, will you fucking fight back? Ça a lag, je vous jure. Mais ça a lag d'une manière. Je rêve de le faire vers le métier que moi. Mon dieu. Une attaque et je meurs, frère. Non. Ils m'ont dit. J'ai eu ma dose. Tout le serveur, il m'a dit. Avec un fruit de merde, comme ça. Je peux rien foutre. Je peux même pas me TP. Horrible. À présent, j'ai fait pas mal de PVP. Et je peux vous avouer quand même que le seul moyen pour moi de PVP avec ce fruit, c'est en utilisant le go d'humain. Sur ce, si vous avez kiffé, n'hésitez quand même pas à liker. Si vous n'avez pas kiffé, like quand même en fait. Ça vaut le coup. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos de PVP qui arrivent. Bien, sur ce, je vous dis ciao.